Bonjour à tous, chers frères et sœurs de Radio Arc-en-Ciel, Jésus est mon guide, et à ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est Sabine aujourd'hui avec vous, accompagnée de ses enfants. Nous fêtons aujourd'hui Saint Bruno. Nous souhaitons une très bonne fête à tous les Bruno, une petite pensée pour Père Bruno de Tahiti. Et nous souhaitons également un très joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous allons commencer par un chant à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Galates 3, versets 1 à 5. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié.
Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain, celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce. Nous t'offrons ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire. Salut du monde, ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais, ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande à Jésus-Christ. Banquet céleste, à la table des noces, nous t'offrons notre être pour t'aimer et t'adorer. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire. Notre offrande à Jésus-Christ.
l'Esprit-Saint. L'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Cette interrogation que saint Paul posait autrefois aux habitants de Galate nous concerne individuellement, car c'est Dieu lui-même qui nous interroge aujourd'hui. Chers frères et sœurs, comment entendre le message de la foi? Le moyen sûr de ne pas se tromper est de lire l'Évangile. La Bible ne doit pas rester dans nos tiroirs ou au fin fond de nos greniers, là où la poussière s'installe. La parole de Dieu est vivante. Père, je te bénis et te rends grâce pour ce cadeau que tu me donnes en ce jour. Comment ne pas parler de toi, aimer Jésus et le faire connaître? Voilà ma vocation. Oui, dans la vie, nous avons tous foi en quelque chose. Nous sommes tous remplis d'espérance pour un monde meilleur. Mais donnons-nous vraiment les moyens pour y arriver? Nous nous tournons bien souvent vers l'homme pour trouver des réponses. Pourtant, dans l'Évangile, il est écrit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Actes 5, verset 9. Nous avons parcouru un chemin pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Dans ce chemin, des embûches, des joies, des peines, des fréquentations et aussi des lois. On nous enseigne à respecter les lois, et Dieu merci qu'elles existent, car le monde a besoin de lois. Des règles de vie sont fondamentales pour le bien de tous, mais n'oublions pas notre Créateur, Dieu. Il nous a donné un modèle à suivre, son Fils, Jésus. Jésus, que nous a-t-il dit? Je ne vous laisse pas seul, je vous envoie l'Esprit-Saint. Nous avons tous reçu l'Esprit-Saint le jour de notre baptême. Nous pouvons tous demander à l'Esprit-Saint de faire des rencontres personnelles avec lui. Baptisés ou non baptisés, frères et sœurs, nous sommes le corps de l'Église. Nous devons nous aimer d'un amour fraternel. Sans l'aide de l'Esprit-Saint, nous ne pouvons rien faire. Quand tu fais appel à l'Esprit-Saint, il te répond toujours, et Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous devons être obéissants. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, dont vous avez reçu le sceau, en vue du jour de la délivrance. » Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, lui qui a pris chair et qui a suivi le chemin de la croix par amour pour nous, c'est pour que nous mourons nous aussi à la chair, car tout homme ressuscité en Jésus-Christ dès ici-bas se soucie de son parcours. L'Église nous propose plusieurs piliers pour que notre foi grandisse. Nous avons l'Eucharistie. Aller à la messe et y participer, c'est le moment de monter ses prières vers le Père et accueillir les grâces qu'il nous donne. La confession. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. Jean, chapitre 4, verset 10. La confession, le meilleur remède à toutes les maladies. Devenir l'agneau sans tache pour être purifié de tout péché. La charité. Nous devons aider notre prochain du mieux que nous pouvons, si ce n'est que par une parole de réconfort, un geste d'amour, un repas ou bien même un verre d'eau. À travers ces petits gestes, nous sommes des petits Jésus qui font la gloire du Père. Voici quelques versets de l'Évangile où Dieu nous donne des solutions pour reconnaître le message de la foi. Jérémie 1, verset 5. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part avant même que tu sois né. Dans Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi,
tel qu'on vous l'a enseigné et débordant de reconnaissance. Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse du prix à l'enseigne de la tradition des hommes, des forces qui régissent l'univers et non plus du Christ, car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement, et vous vous trouverez pleinement comblé en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un griffe contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même vous aussi, et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres, avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à lui par Dieu le Père. Voilà, mes frères et sœurs, comment Dieu nous parle de la foi. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont la foi comme un petit grain de moutarde, qu'ils le fassent fructifier par la grâce de Dieu. Dieu aime tous ses enfants. Il attend notre retour comme le Fils prodigue, un passage de l'Évangile qu'il faut absolument méditer pour comprendre notre retour dans les bras grands ouverts du Père pour chacun d'entre nous. Devant Dieu, rien n'est caché. Il sait tout et il est miséricordieux. Il pardonne tout. Ne restons pas dans notre orgueil, dans nos préjugés. Pardonnons, nous aussi, à nos frères et sœurs pour goûter aux joies du Père. Ayons un cœur d'enfant. Lorsqu'un enfant demande pardon à son copain pour les blessures qu'il a dit ou fait, celui-ci l'accueille par un sourire radieux et les voilà jouant ensemble pour la gloire du Père. Soyons des libérateurs. Je terminerai par Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Me voici. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent.
jeter dans vos bras. Me voici. Voilà, les amis, notre séquence se termine. On se retrouve le mois prochain. Nous écoutons un magnifique chant à la Vierge Marie, Une voix, un visage, de Jean-Claude Janada. À travers ce chant, demandons à la Vierge Marie de nous guider sur le chemin de conversion. Bonne écoute. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Je suis servante du Seigneur. C'est une voix au jour du oui. Le fruit en elle est prometteur. C'est un amour pour aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est une voix dans nos combats. Notre vie se transformera. C'est un passage et un vrai choix. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Près de la croix, elle est debout. C'est un visage au rendez-vous. Nous pouvons aller jusqu'au bout. C'est un passage, un amour fou. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie.